Hey, salut les petits clous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Yalei et Lune duo de choc. Donc voici l'art 7. C'est d'une très très belle série. C'est l'une des plus belles séries de Soleil et Lune. Donc on a 9 boosters. Si je ne me suis pas trompé, je crois qu'il y a 9 boosters. 3, 6, 9. Non, il y a 10 boosters. Donc on va s'ouvrir 10 boosters et on finira par Flamme obsidienne, allez, il fallait bien ouvrir un peu, donc j'ai ouvert une ETB, il y a les 9 boosters de l'ETB, donc ça fait 10 boosters de Soleil et Lune, plus les 9 boosters de Flamme obsidienne. Allez, c'est parti, on fait le point aussi sur le concours pendant que j'ouvre le premier booster. Nous sommes 132, enfin vous êtes 132 à avoir participé pour l'instant au concours. Donc le concours, le tirage se fera le 3 septembre, comme je l'ai annoncé mercredi. Donc d'ici le 3 septembre, vous avez encore, vous pouvez encore participer au concours. Donc sur la vidéo de dimanche dernier, où il y a, il faut juste participer. Mais je participe sous la vidéo et donc je vous rajoute donc sur la liste. Et donc vous êtes 132 actuellement. Donc vous avez jusqu'au 2 septembre au soir. Donc je sais pas à quelle heure je tournerai la vidéo le samedi soir, le 2. Mais vous avez jusqu'à à peu près 20 h en général, jusqu'à 19-20 h. Vous pouvez encore vous inscrire, mais ne tardez pas trop de toute façon, parce que si vous faites tarder trop, vous risquez de ne pas être pris au concours. Donc vous avez encore une semaine pour participer sur la vidéo donc de dimanche dernier. Allez, on commence par ces magnifiques illustrations de Soleil et Lune, de Duo Choc. Alors là, les illustrations, elles sont juste magnifiques. Regardez-moi ce carafe avec dans l'eau. C'est juste des boosters magnifiques, une série superbe. Alors bien sûr, dans cette série, si on veut, on veut tirer de l'escouade. Si on arrive à tirer quelques escouades encore, ça serait bien. Il faudrait compléter la collection. Allez, Igolta. C'est vraiment des plus belles séries de Soleil et Lune. C'est trop trop beau, quoi. Protection musclée. Zébiberon. Oh, regardez-moi ce joli carapuce. Il fait un petit somme. Superbes illustrations. Regardez-moi ça, ce tentacule aussi, tout à fait, avec le décor à côté, là, c'est juste magnifique. Et c'est qu'un tentacule. Le Parasse qui est en train de, je crois qu'il doit aller boire, manger les champignons. Très belle illustration aussi. Le Scalpion en pleine action d'attaque. Super belle. Et donc un Reverse. Noisier. Alors les Reverse, bien sûr, c'est du Soleil et Lune, ça brille de partout, elles sont juste magnifiques, ces Reverse. À quand ils nous referont des Reverse pareil, ça serait trop beau. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, je vous disais c'était quoi? C'est pas grand-chose. Un Megavolt. Une grosse araignée. Un rare. Allez, un petit Ronflex Evoli. Ah, si on pouvait tirer ce full art, comment ça s'appelle? C'est Absol. Ouais, c'est Absol. Non, c'est pas Absol, j'ai une bêtise. Ah, je me rappelle plus. Ça va revenir. Allez, énergie, acier. Jasmine. Qu'est-ce qu'il est beau aussi, ce Draco. Regardez-moi ça, cette beauté. Super beau. Super belle illustration avec l'eau derrière. Ou alors il est peut-être dans l'eau tout simplement. Matoufeu. Pareil, très très belle illustration. Il est dans la ruelle avec dans les fruits. Tadmor. Bon, là, ça ne va pas dire la même chose. Hein. Tadmor reste Tadmor. Roucoule. Très beau, très belle illustration du Roucoule aussi. Archéomyr. Médiéna. T'en sortir. Nidoran. Une prisme, pourquoi pas. Je sais pas s'il peut y avoir des prismes dans cette série-là. J'ai pas trop regardé. Il peut y avoir des prismes, il me semble. Dimoclès. Hein, reverse. On n'a que des reverse métal pour l'instant dans les deux premiers boosters. Bon, pas d'escouade. Oh ben c'est la reverse qu'on a eu juste avant. Donc c'est une rare normale, non acier. On reste dans les rares aciers.
Allez, Ectoplasma Mimiki. Allez-vous nous donner quelque chose de beau? On va pas attendre Flamme Obsidienne pour essayer de choper quelque chose quand même. On veut choper du lourd directement, ça serait cool. Allez, voilà une énergie électrique, autre chose. Kikli en pleine action. Masque métal. Aquaquac. Moi c'est illustration d'Arlo aussi, pareil. Bon, c'est pas... Ah oui, c'est ses palmes. Et qui sont jaunes. Je me disais, qu'est-ce qui tient dans la main? Mais non, c'est ses palmes. Grain dur. Bon, l'illustration est moins folle sur celle-là, en tout cas. Oh, il est trop beau, le Miaouz, par contre. Ça fait un peu de gaieté. C'est très, très beau. Très, très belle illustration du Miaouz. Le racaillou. Alors, racaillou en pâte à modeler. C'est pas mon truc à moi, en tout cas. Allez, tas de mort. Bon, on l'a déjà vu tout à l'heure. Hein. Il est toujours aussi beau. Et le recul qu'on a vu aussi tout à l'heure. Allez, on va t'en sortir une. C'est une reverse dresser. Le sifflet de juge. Voilà. Au moins, on n'aura pas vu un Pokémon métal. Allez, une petite escouade. Non, toujours pas. Monsieur Mime. Superbe illustration du Monsieur Mime aussi. Choc mental. Bon, pas de reverse. Pas d'holo, pas d'ultra. Sur 3 boosters. Bon, en général, sur Soleil et Lune, on va dire que c'est 1 sur 4. Donc sur 10 boosters, si on a 2-8, on ne se plaindra pas. C'est déjà joli. Je crois que c'est ça. Le quota, c'est 1 sur 4. Énergie combat. Adresse de retour. Nidorina. Très belle illustration aussi du Dinorida. Coconfort. Grain dur. Oh, voilà, très beau Salamèche. Très belle illustration du Salamèche. On dirait que ça surprend sa couleur en flamme là. On dirait que ça le surprend. En tout cas, très très belle illustration du Salamèche. Galvarin. Ferro-singe, Goupix, une reverse feu. Oh, alors là c'est banger. Le reverse drac au feu qui tombe. Waouh. Alors là nous avons une sacrée carte qui vient de tomber. Le Dracofeu Reverse qui tombe là, c'est une énorme carte. Très très belle carte en Reverse. Et derrière, c'est juste une rare normale. Le Scarabrut en rare. Et bien un petit Dracofeu qui tombe en Reverse. Franchement, il faut le faire tomber déjà. J'étais un peu surpris parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Mais voilà, il va bien aller dans le décor avec son gros copain, le Dracofeu Terra Crystal. On peut dire que ça, on a chopé déjà un beau hit. On peut dire que là déjà, même si c'est pas le méga hit, mais c'est surtout une belle carte. Quoi. Avoir un reverse, il faut arriver à les choper. C'est du très très dur à choper un reverse. Allez. Donc on a ouvert 4 boosters, on n'a toujours pas eu d'ultra. Il va falloir remédier à tout ça, mais bon, on a dit que s'il y en avait 2, ça serait déjà pas mal, donc on a encore le temps de les choper. Il va falloir faire vite. Ammonita. Kangourex, qu'est-ce qu'il est beau. Bon, je prends un peu de temps sur les illustrations, parce que déjà on ne les voit pas souvent. C'est des boosters qu'on n'ouvre pas souvent. Moi c'est les 10 derniers qui me restent. Alors, est-ce que je vais en retrouver? Peut-être, mais en tout cas, c'est vraiment les 10 derniers qui me restaient dans ma boîte. Ponyta. Donc, on en profite. Oh, le Tadmorph d'Alola, il est quand même plus sympathique. En illustration, il est plus sympathique, en tout cas, que le Tadmorph de tout à l'heure. Franchement, là, il est bien mis en scène. Ça reste un Tadmorph, mais c'est beau. Allez, Cosmog. Le joli Flamiaou. Belle illustration aussi. Hein. Beaucoup de belles illustrations sur cette série.
Bon, on retrouve un coltan mort. Dans tous les boosters, bientôt, on va le trouver, lui. Ah, ben, on a dit qu'il y avait des prismes. En voilà une. Le marché noir. Et derrière, qu'est-ce que nous allons sortir derrière? Ben, le gros tan mort d'Alola. Oh, il est un peu bizarrement. Bien sympathique aussi, le tan mort d'Alola. Alors, on a le marché noir, donc une petite prisme. C'est assez sympathique à choper des prismes parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Pour les choper, c'est un peu dur. Mais c'est des très 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 belles cartes en tout cas. Allez, on va la mettre de l'autre côté. Allez, Ectoplasma Mimiki, à vous de jouer. Va falloir nous sortir une ultra parce que la prisme, c'est pas une ultra. Bon, le Dracaufeu, il reste un très beau hit. Mais c'est pas une ultra. Il nous reste encore donc 5 boosters à ouvrir avec celui que j'ai dans les mains. Il va falloir nous sortir quelque chose. Si on pouvait sortir 2 ultras sur ces 10 boosters, ça serait pas mal. Mais je commence à en douter quand même. Galopin, regardez-moi cette beauté. Franchement, c'est du très très beau en illustration. Adresse de retour qu'on a eu déjà tout à l'heure. Kangourex qu'on a vu aussi. Ponyta. Tadmor d'Alola. Cosmog, on a le même booster que tout à l'heure, j'ai l'impression là. Flamiaou, c'est exactement les mêmes qu'on retrouve. Voilà, Tadmor. Aussi, on a une. Ouh, très jolie, Aspicot. Déjà, les rivers, elles sont magnifiques comme elles brillent. Elles sont vertes comme ça, elles brillent super beau. Et puis, ça reste un Aspicot, hein. Mais l'illustration est juste folle. Franchement, l'illustration du Aspicot, ça m'a surpris. Franchement, c'est super beau. Allez, on va tenter de choper une escouade ou quelque chose derrière. C'est une gold, ça. Ou une gold. Si ça pouvait être une gold Pokémon. Ah, d'ailleurs, je sais même pas s'il y en a des gold Pokémon. Bon, électrochargeur. Très, très belle carte, en tout cas. Une petite gold. Écoutez, on a, au moins, notre première ultra. Elle est bien centrée, en tout cas. Elle est bien centrée. Le cadrage est juste très bon, quoi. Très très beau cadrage en tout cas. L'électrochargeur. Bon, ça reste pas une carte magnifique, mais il faut déjà avoir les golds. Choper les golds dans ces extensions-là, c'est du très beau. Du très très bon. Bon, lui, les boosters. On commence à avoir du 8. Ah, notre première ultra. Il en manque une. Allez, encore une ultra et on serait super bien. 10 boosters, 2 ultra. Je signe tout de suite. Alors pourquoi pas encore un. Allez. Énergie Water. Cosmovoom. Tignon. Ça fait bizarre comme il est dessiné. Mais c'est très. Ça a un style, c'est pas mal. Jasmine, que nous avons vu déjà tout à l'heure. Neuneuf. Ambrilex. Ça fait bizarre au fond. Le fond derrière lui. Miaouss, toujours aussi joyeux cette carte. Bravo, très très belle. Nidorina que nous avons vu tout à l'heure. Le Watt. Très très belle illustration. Il nous saute dessus là. Franchement, les illustrations sont très belles. Oh, le très beau Mimiki. Donc c'est une. Oui, c'est une rare reverse. Très très beau Mimiki aussi. Très très belle. Énergie fée. Non, nous aurons. Pas notre deuxième hit, le gros Parasect. Il faut avancer un peu parce que c'est vrai que je m'arrête sur les illustrations. Là, ça fait bon. Après, c'est la vidéo du dimanche, donc c'est sûr qu'elle est toujours un peu plus longue. Bon, après, sur Flamme Obsidienne, on va beaucoup moins s'arrêter sur les illustrations. Ça ira beaucoup plus vite avec les 9 boosters de Flamme Obsidienne. Ça, c'est sûr. On va pas trop s'arrêter à moins qu'on ait du banger, mais on s'arrêtera moins sur les illustrations en tout cas. Nidorina. Très belle illustration comme d'habitude. Dimoclès, que nous avons eu un reverse tout à l'heure. Le petit énergie dans sa prairie, là, avec toutes les fleurs à côté. Emolga, alors là, en mode un peu énervé quand même. Mais l'illustration est pas mal. Belle illustration en tout cas de l'Emolga. What, what? Ah, par contre, il y a une sacrée prise là, au milieu. La ligne qui est au milieu, il me semblait bien quand je l'ai posée, je l'ai vue avec le reflet. Je ne l'avais pas vue de suite. Et quand je les pose en bas, là, je les vois tout de suite qu'il y a une Pritlide, un Goupix, Statitique,
C'est vraiment le booster électrique. Hein. Je sais pas combien il y avait de Pokémon électriques, mais il y en avait un sacré paquet. Oh, noix de coco. Encore une rare reverse. Noix de coco. Alors, le corps, il est super loin de la tête. Hein. Ça voit qu'il est super grand. Au moins dans la carte, là, on voit le corps et la tête en même temps. D'habitude, on le voit jamais en entier, mais là, ça le fait. Allez, franchement, elle est un peu bizarre cette carte. Mais franchement, elle est belle. Hein. Honnêtement, elle est très très belle. Avoir le corps et la tête dans la même carte, ils ont fait fort. Oh, on a notre deuxième ultra. Alors ça, c'est juste une. Ça sera juste une X. Non, c'est une GX. C'est Soleil 1, c'est GX. Oui, c'est GX. Je me suis pas trompé. C'est vrai qu'avec la nouvelle extension et vu que j'ouvre un peu aussi du XY, c'est vrai qu'on se confond. Donc c'est du Cobaltium GX. Donc un Pokémon légendaire. En GX. Donc c'est pas une full art, c'est une GX. Bon, nous avons eu déjà nos deux hits. Donc c'est satisfaisant. Franchement, deux hits sur nos 8 boosters. Hein. Donc c'est ça, c'est un hit sur 4. Maintenant, il nous en reste 2. Est-ce qu'on va choper un troisième? Nous avons eu déjà un beau Dracaufeu à côté, une jolie Prisme à côté. Je pense qu'on est déjà pas mal. Si on n'a plus rien là, l'ouverture est juste pas mal, juste même dingue, on peut dire, parce qu'il a eu sortir une gold déjà de ces boosters. C'est juste formidable. Vaillance de pierre. Infect. Oh, il y a encore une gold là. Je crois que c'est une gold ça aussi. Infect. Électrochargeur. Alors, est-ce qu'on va avoir une gold, une très belle gold? Parce que j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Racaillou. On va la cacher, mais ça brillait bizarrement or derrière. Allez, état de morve. Recoule. Nous retrouvons les mêmes cartes. Archéomyr. Avec une prisme. Le labyrinthe miracle. Alors derrière, normalement, il y a la gold. Si j'ai bien vu, c'est ça. Hein. Franchement, les prises, ça sont super bien. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu deux hits dans ce booster. C'est juste formidable. Ouais, c'est ça, c'est encore une gold. Mais c'est une blague. Alf Mazar et sa chance légendaire d'avoir des doubles. Et sur avoir des doubles sur des golds, c'est encore plus dur. Mais franchement, et celle-là aussi, elle est aussi bien cadrée que la première. Bon, donc elle partira dans le classeur d'échange ou à la vente en tout cas. Ça devrait bien partir ces cartes-là. Des golds de haut choc. Je pense que ça devrait bien partir. Mais il faut le faire quand même de retirer deux golds de la même. Et le cadrage, oui, celle-là aussi. Le cadrage a l'air pas mal. Alors, un petit poil décentré sur celle-là. Mais très très belle aussi, le labyrinthe miracle. Et bien, nous avons fait une très belle ouverture sur du haut choc en tout cas. Ah, il reste encore un booster, pourquoi pas. Allez, le petit nounours, c'est le petit Evoli là. Allez, Ronflex. Ronflex Evoli, allez-vous nous donner encore quelque chose? Allez. Après, de toute façon, ça ira plus vite sur du Flamme Obsidienne. On ira beaucoup plus vite. On a savouré ces boosters à l'énergie électrique. Donc, dernier booster de l'ouverture, Ken Artichaut. Oh, quelle beauté aussi celui-là. Cosmoboom. Draco, qu'on a vu tout à l'heure. Toujours aussi beau. Ponyta. Pareil, quelle illustration aussi. Watt, Salamèche. Ah, il y a deux illustrations de Salamèche. Avec sa tête, avec sa bouille toute ronde là. Ça fait un peu bizarre de le voir comme ça, avec une tête bien ronde. Monorpal. Rookoops. Allez, que va-t-on sortir de ce dernier booster? Celui-là, il n'a pas grand-chose, je crois. On n'aura pas sorti des squads en tout cas. Scalproc, un rare normal, qui est très très belle d'ailleurs. Il est en train de tout casser. Alors, ouais, il fait une sacrée attaque là. Donc voilà, donc on en a fini sur le Soleil et Lune, sur le Duo Choc. Et franchement, c'est du magnifique. Un magnifique tirage. Donc je vais les laisser derrière. Hein. Je ne vais pas faire de récap. On va voir si vous avez suivi. Vous voyez exactement ce qu'il y a. De gold, un magnifique Dracaufeu Reverse. Et pourquoi pas choper aussi un Dracaufeu aussi dans Flamme Obsidienne, pourquoi pas? Puisqu'on en a eu un dans une série, pourquoi pas dans l'autre?
Allez, là par contre les codes vont partir chez vous. Allez, c'est parti. Allez, exagère, puisque là il me manque 8 cartes dans la série. Donc ça serait bien que j'en chope 2 ou 3. Ça m'éviterait de les acheter, les dernières. Olivado, Mustéflotte, Loclas, très très belle. Mascadra, Meltan Rivers. Pareil, des Rivers, il m'en manque pas tant que ça. Rototop. Et une simple rare avec Caroline. Une simple holo. Enfin, on dit simple rare parce que c'est vrai que ça, elle serait même pas holo, elle serait toute rare. Que ça serait pareil. Et finalement, on les a toutes après ces cartes-là. Toutes les cartes holo. On y vient vite, on les a toutes. Manglouton. Ah, tiens, Salamèche. On a vu les deux autres tout à l'heure. On voit la note Salamèche. Mini Draco qui est tout aussi beau en illustration. Misterbe. Crapustule. Hop, j'en enlève quelques-unes. Arboliva. Team de la. Sbire de la Team Star. Premier reverse. Allez, petit AR. Il m'en manque deux. Non. Ce qui me manque, le super dauphin en AR et le petit fragouin, si je ne me trompe pas. Ce petit cochon et ce petit dauphin. Il manque deux AR, deux alternatives. Alisma en alternative et le Vrombotor alternative. Il manque deux. J'ai toutes les foulards. Il manque quelques petites ex aussi. Tritonde, Aragdo, Chamallow. En total, de toute façon, il me manque celle-là en ex. Argouste, il manque des petites. Infect, il manque 8 de toute façon. Togetic, Darumacho. Par contre, ça serait bien de choper un petit dans la série quand même. Allez. Chamallow, ils veulent pas sortir les hits dans le TB. Alisma, toi, ce serait bien que tu m'arrives chez moi en alternative. Ça m'éviterait de t'acheter. Bon, c'est pas les plus chers, hein. Mais en tout cas, ça serait bien de les avoir. Allez, petit code. D'ailleurs, j'ai pas sorti le code de l'ETB. Je sortirai vite fait à la fin le code de l'ETB. Tarinor, Funessir. Non mais oui. Trio Piqueur. Tombéro. Voilà, c'est lui qui est en ex que j'ai pas. En petit ex. Draco. Belle illustration aussi. Ah ben, Draco. Hein. Allez, on veut quelque chose quand même dans cet ETB. Parce que finalement, pour l'instant, on n'a rien sorti. On a une ETB vide pour l'instant. Ouais. C'est pas cool. C'est pas parce qu'on a eu beaucoup de choses dans du haut de choc qu'il faut rien nous donner. Un flamme obsidienne, hein. Ou alors il y a le Dracaufeu alternative et puis on n'en parle plus. Allez, petit code pour vous. Tilton, Germéclat, Tête d'ampoule, Gourmelé, Altaria, Misdibule, Frison, très belle illustration du Frison. Topicker, premier reverse. Allez, on veut quelque chose dans cette ETB là, ça serait cool. Non, non, c'est toujours pas cool en tout cas. Tête d'ampoule. Ah, une petite ex. Ah, qu'on a déjà. Il nous en manque une ou deux et on tombe à côté. Miraidon. Parce qu'il me manque aussi le Vrombotor en ex. Donc il en manque. Et le Démolos aussi. Donc il manque trois ex. Allez, on va le mettre devant de toute façon. Il nous reste quatre boosters. 4 boosters pour tomber un Drac en flamme obsidienne, comme dans du haut choc. Peut-être arrivera-t-il avec ce booster tyrannosif. Allez, on veut du hit quand même. Hein. Terra cool. Si on pouvait avoir au moins 3 hits, ça serait bien dans cette TB. Bon, tête d'ampoule qui est partie avec Candine, Infect, Togetic, Fenard. Très belle illustration de l'air comme de cette carte là, Sepia Top. Allez, non, toujours pas. Toxizap et Scovina en holo. 3 boosters, et pourquoi pas dans le booster Dracaufeu un Drac. Allez, 4 Dracaufeu dans l'extension, on peut bien en choper un là.
Sinon, bah tant pis, on en aurait eu un dans la soirée, ce serait déjà pas mal. Un inattendu dans la soirée, on va dire. Charbambin, Toxizap, Scalpion, Misdibule, Frison, Crabe Abominable, Crapustule en reverse. Allez, on veut une petite carte là derrière, ça serait cool. Toujours pas, elles ne veulent pas sortir ces petites cartes derrière là. Et voilà, et Fulguris. En holo, deux boosters. Allez, deux boosters pour essayer de sortir deux hits encore de ce TB. Sinon, pour l'instant, un hit, c'est vraiment le TB qu'il fallait garder scellé. Parce qu'une petite ex dans le TB, c'est vraiment pas cool. Allez, un petit code pour vous. J'espère que vous aurez plus de chance dans les codes en ligne que moi dans les codes de cette TB. Que dans les boosters de cette TB plutôt. Balbuto. Axoloto, Gourmelet, Poltergeist, Terra Cruel, Solarock. Allez, première reverse. Allez, on veut quelque chose sur la deuxième, ce serait très cool. Eh ben non, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Bon, double hit sur le dernier booster. Allez, il n'y a pas le choix. Double hit sur le booster Dracolos. Et puis on s'en fait plus. Cette TB était bien pourrie pour l'instant. En tout cas, jusqu'au dernier booster, cette TB pour l'instant était pas top. T'es froid. Elle était à garder scellée. C'est la tête d'ampoule. Chamallow. Misdibule. Scalpereur. Fragouin. Lettre d'encouragement, ouais, c'est le moment d'encourager quand c'est fini et que tu m'as rien donné. Mustéboué, allez, c'est là où rien. Ben, il n'y aura rien, un petit cochon dans la boue et juste une loi à la fin. Voilà, le TB. Très très mauvaise TB en tout cas à garder scellé. Bon, ben, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le concours des 500 abonnés qui est toujours en cours. Tirage au sort le 3 septembre. Donc la semaine dimanche prochain tout simplement. Donc à mettre, je participe sur la vidéo précédente du dimanche dernier. Et vous êtes déjà 132, je crois, vous êtes déjà participé. Donc n'hésitez pas, il y a encore de la place. Il y a autant de place qu'il y aura d'inscrits. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles ouvertures. Et salut les petits clous.